Bon Christophe, tu profites du paysage du Chamadou, c'est beau hein? C'est ça, ouais, ouais, on profite des lieux, ouais. C'est quand même un beau site hein? Ah ouais, c'est magnifique, toujours un plaisir de venir ici. Je suis pas venu souvent mais ouais, toujours un grand plaisir de voir le domaine magnifique. Puis toi, tu nous as fait une démo de l'Ipure, avec ouais, l'Ipure. Ouais. C'est vrai que bon, t'as vu donc au Mondial. Et puis là, te voir, c'est vrai que bon, tu t'amuses. Hein. Ah, alors, ouais. Comment ça s'est passé, ce Mondial, finalement? Mondial, très très bien. Hein. Très très bien. On est très content du résultat. On est très content d'avoir validé pas mal de choses sur la moto. Donc c'est très intéressant. Moi, j'étais déjà tout d'abord content de revoir tous les pilotes et de repartir après 10 ans d'absence sur le Mondial. Donc, c'est vraiment top d'être reparti sur la compète. Et puis surtout avec Loris, avec Kuroyama, avec des pilotes que je côtoyais. Et ouais, il y a eu un beau plateau, là. C'était dans l'intérêt, d'ailleurs. Hein. Ouais, avec ça. La Yamaha. Donc qui est venue toute nouvelle. C'est ça. Et puis la Gaz qui avait déjà fait son arrivée l'année dernière. C'est ça. Donc non, super, super bien. Très bien passé aussi avec l'usine, avec la nouvelle moto qu'on a eue juste avant le Mondial. Hein. C'était un pari qui était assez chaud à prendre. Et voilà, et l'usine a tout misé dessus. On a validé les derniers tests juste avant l'ouverture. Et donc voilà, on est encore en train de fiabiliser pas mal de choses, de travailler sur pas mal de choses, mais voilà, on arrive avec un proto qui a tenu le coup et qui a, en plus de ça, voilà, qui a été très très performant, donc c'est ce qui est cool. Puis en plus, bon, il a créé l'événement, c'est la ligne qui a créé une rupture par rapport au modèle donc, commercialisé. Voilà, le visuel change énormément, la moto paraît déjà visuellement très légère, elle est très épurée comme son nom l'indique, et puis voilà, on a de l'autonomie, on a de la puissance, on a pas mal de choses qui sont très très positives pour le futur. Et ouais, il y a encore beaucoup d'évolution quand on voit la technologie de l'électrique. Hein. Bien sûr qu'avec l'électrique, on a vraiment ce ressenti de dire voilà, en très peu de temps, on peut arriver à beaucoup de choses en plus. Voilà, après il faut des moyens, il faut des gens qui suivent derrière, mais voilà, ouais. Pour l'instant l'usine, avec les moyens qu'ils ont, ils ont sorti un produit qui est vraiment extraordinaire, qui est très polyvalent, une moto qui est à la fois très coupleuse, très nerveuse et en même temps qui a de l'autonomie, qui a de l'allonge dans les zones, sans rapport de boîte, donc c'est une moto qui est très facile, très ludique, en plus à rouler. Moi, je sais que je me régale. Et puis le gros travail qu'il y a eu sur la transmission, donc avec le silence qu'on voit maintenant, qui est incroyable, quoi. C'est ça, on le voit évoluer, c'est impressionnant. Ouais, ouais, on a zéro liquide, on a zéro bruit, et la moto est très très performante. Donc je crois que c'est un pari gagné, en tout cas pour Philippe Arestène, le boss de l'usine, et toute son équipe qui ont travaillé vraiment comme des fous, et en plus qui ont sorti 3 motos. Il n'y en a pas qu'une qui a roulé en plus. Oui. Donc voilà, 3 motos performantes sur le Mondial. Avec puis chacun avait son design, c'était ouais, super. Voilà. Hein. Bastien, il avait choisi son design, Takumi aussi, moi aussi. Donc c'est vrai que c'est en plus, voilà, on se sent vraiment intégré dans l'usine, on n'est pas des pions. Et voilà, c'est une grande famille et je suis très content d'en faire partie. Hein. Bon, bah allez, on continue hein, parce que yes. Le Chamadou Day, ouais, c'est pas fini. Day, hein. Ouais. Ouais, on est juste à côté. Allez!